Un cahier Pop-It. Bah oui, tu m'as pris pour qui ça? Non mais c'est une blague. Tiens, mais regarde. Quoi, mais t'as dépensé tout mon argent pour rien? Mieux, une quand trousse même. En forme de crêpe. Non mais je rêve. Ah je sais, je sais. Ça sert à quoi? Elle va dormir en cours et les yeux ils seront ouverts. C'est bientôt la rentrée, les vacances sont terminées. C'est bientôt la rentrée, Lily Rose va là aller au collège. Dans deux semaines c'est fini. Dans deux semaines les vacances c'est fini. C'est fini, c'est fini. Dans deux semaines c'est la rentrée. Et on sera tranquille, Lily Rose va retourner au collège pour retrouver ses copines. Bon allez, salut les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo chasse aux fournitures scolaires spéciale Lily Rose, parce que là c'est dans deux semaines la rentrée et devinez quoi, regardez-moi cette petite peste Lily Rose. Oh c'est quoi? C'est quoi ça? C'était je montre. C'est mes chaussettes. C'est des chaussettes, montre tes chaussettes. Des chaussettes pieds. Qu'est-ce que c'est que ça? Des chaussettes pieds de tongs. Alors mais toi tu veux tellement rester en vacances que tu mets des chaussettes en forme de tongs. Bah oui. Oh, lolo, bon les amis. Les amis, la rentrée c'est dans deux semaines. Bon désolé de vous le rappeler, désolé de vous le rappeler. Et là Lily Rose n'a préparé aucune affaire. Regardez-moi son sac. C'est bon, on a le temps. Regardez-moi ce sac vide et cet autre sac totalement vide, elle a préparé aucune affaire pour sa rentrée. Du coup aujourd'hui, Lily Rose, je vais te mettre au défi. Je vais te donner un peu d'argent, voilà, et cette fois, cette année, c'est toi qui vas faire toute seule ta chasse aux fournitures. Tes courses. T'es chaude ou pas? Ouais. Là on l'a dégoûté, ça se voit. On lui va rappeler que la rentrée c'était dans deux semaines. Est-ce que t'es chaude? Oui. Est-ce que t'as ta liste de courses? Est-ce que tu as ta liste de courses pour la rentrée? Oui. Allez voilà, bonne course. 10 euros, mais je vais acheter un cahier avec ça. Mais 10 euros c'est bien pour faire tes courses de rentrée. Mais je vais même pas m'acheter un stylo. Bon allez, 20 euros, 20 euros. Un peu plus quand même, mais c'était pas. Ah bon, allez, ouais, voilà. 40 euros, 40 okay, euros, 40 bon. Euros, tu peux déjà faire des belles courses de rentrée, je pense. Hein. Ok. Allez. Bon, et on te fait confiance, et là, on te retrouve, les amis. On te retrouve dans 2 heures, on va aller dans la salle de classe qui est chez nous. On va aller dans notre salle de classe, et on va voir ce que t'as acheté. Et par contre, t'achètes des vraies fournitures. Hein. Ouais, ouais. Que tu veux que je t'accompagne? Non, il faut qu'elle y aille toute seule. J'ai pas trop confiance. Allez, les amis, on se retrouve tout de suite pour voir ce que Lily Rose a acheté pour sa chasse aux fournitures scolaire. Je pense qu'elle vous réserve des surprises parce ouais. que c'est une fille un peu crazy, hein, un peu si folle. Si elle suit la liste. Allez, vas-y, t'as 2 heures pile. Allez. Les amis, on se retrouve tout de suite dans la salle de classe. Let's go. Le retour de Lily Rose, oui. Regardez-moi ça. Ne crie pas comme ça, Esteban. Allez, on a avec nous le professeur Foufou qui est là. Oui. Parce qu'il va juger, il va juger très très fort. Il va juger toutes les fournitures que tu nous as ramenées. J'ai acheté plein de choses. Bon déjà, est-ce que tu as utilisé les 40 euros? Ouais. Oh là, on la reconnaît bien là, Lily Rose, elle a tout dépensé, évidemment. En tout cas, moi j'avais fourni une liste. Ah oui, vous aviez donné une liste, monsieur. Oui, j'espère que tu l'as respectée, Lily Rose. Ouais, bon, je pense qu'elle a... Bon, j'espère que tu as respecté la liste. Bon, allez, normalement, t'as tout mis dans ce sac, c'est ça? Ouais. Vas-y, mets-le sur le côté. Elle m'a tutoyé. On va déballer ça petit à petit. Okay. Allez, vas-y. Alors, déjà, j'ai pris un truc bon qui était pas forcément demandé, mais c'est plus pour mon confort. Ah, c'est pour ton confort. Oui, parce qu'il faut. Mais c'est quoi ça? C'est un coussin. C'est quoi? Un coussin petit, pas trop gros pour pouvoir. Non, mais elle a acheté ça avec l'argent des fournitures. C'est pas ici pour dormir. C'est vrai qu'on dirait notre chat un peu. Voilà. Non, mais par contre, on n'est pas en classe pour dormir. Mais si. Hey. Bon écoute, ça je pense que ça va être confisqué dès Elle croit pas qu'elle va faire la sieste pendant les cours de maths. Bon allez, maintenant on passe aux choses sérieuses, voilà. Alors pour pouvoir faire de la géométrie, dessiner, etc. Un crayon à papier. Mais c'est quoi ce crayon? Un crayon XXL. Mais c'est quoi ce crayon? C'est un crayon. Mais c'est quoi Lily Rose? Mais c'est un crayon. Mais c'est un crayon, regardez, c'est un crayon gris. Mais oui. Mais attends, il est plus grand que ta tête. Ah ouais. Attendez, regardez, il y a une gomme au bout comme ça. Mais c'est quoi ces attends, je vais essayer de gommer. Mais c'est quoi ces fournitures, Lily? Ouais, ça marche bien. Laisse-moi tester un peu quand même. Non, monsieur, vous allez pas tester toutes les fournitures. J'avais pas demandé ça. Bon, allez, on va passer vite. J'espère que t'as acheté les choses qui étaient sur la... C'est quoi ça? Ça, c'est pour pouvoir faire un mini golf. Mais ça sert à quoi ça? Bah à faire du golf. À faire du golf en classe. Voilà. Attends, c'est quoi? Regardez les amis, il y a même des... Non mais il y a même un petit drapeau là qu'on peut mettre ici. Oh, là, hop, et là
Non mais non, ah, mais non, j'ai perdu. Ah voilà, j'ai gagné. Tu crois vraiment que tu vas jouer en classe toute l'année? Bah oui. Bon bah ça, il est rose. Je peux. Ça, bon, ça écoute, sent la punition. Écoute, bon ça voilà, je peux déjà te dire que ça va être confisqué. Ça sent la, ça sent la punition ça. Ah oui bah ça c'est sûr. Bon allez allez allez. Un stylo. Mais c'est quoi ça? C'est des jouets. Mais non, c'est un stylo. Attends, mais montre-moi ça. Hé, hey, Esteban. Mais qu'est-ce que c'est que ce stylo? Mais oui, j'en ai acheté plusieurs comme ça, mais regarde. Mais quoi? Mais t'as dépensé tout mon argent pour rien? Bah, mais non, pas pour rien. C'est carnaval ou quoi? Mais regardez-moi ça, monsieur, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est pas le carnaval. Attention. Attention. Deux belles trous. Mais c'est quoi ça? Ah, le stylo. Ah, oh, c'est quoi ça? J'avais demandé, effectivement. Ah, mais c'est quoi cette trousse? Bah mais ça, on l'a déjà vu dans une donc vidéo. Donc, ça, c'est une trousse. Mais ça, on peut pas la garder. Hein. Attendez, y a quoi dans la trousse? Oh non, le stylo trottinette. Ça, tu l'avais déjà. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une trottinette. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Une gomme en forme de carotte. Un petit peu plus sérieux une quand trousse même. Trousse en forme de crêpe. Non, mais je rêve. Allez. Des crayons de bois. Des crayons gris. Un peu spéciaux quand même. Ça bon, ça, oui, c'était vraiment sur la. Ah attends, mais. Ils ont quoi ces crayons gris? Bah en fait on peut les mettre. Ah mais ils sont malades tes crayons gris hein. Mais regarde, non pas du tout. Regardez-moi ça. Les mais amis, ils sont trop bien. Le crayon qui se tord comme ça. Non mais et en plus t'en as acheté combien? T'en as acheté plein. Okay. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça j'ai fait une surprise à Monsieur Foufou. C'est quoi ça? Ah tu es gentil Lily. C'est quoi? Des lunettes. Yeux. Et regardez. Mais ça sert à quoi? Mais ça sert à quoi? Mais ça sert à rien. À quoi ça sert? C'est pour se moquer de moi. Tu peux faire des clins d'œil en tirant sur le... Ah je sais, je sais. Ça sert à quoi? Elle va dormir en cours et les yeux ils seront ouverts. Les lunettes là autour c'est les mêmes que Monsieur Foufou. Oui bon écoute, ça encore un truc qui sert à rien. C'est pour faire semblant, c'est pour faire semblant qu'elle regarde les cours et elle dort. Oui oui bon allez, au suivant. C'est quoi ça? Un sac Pop-It pour ma carte de cantine. Non mais... Un sac Pop-It. Non mais vraiment ça sert à rien, la passe à des vraies choses et des roses. Non mais regardez, un sac Pop-It. Mais okay, ça sert à quoi ce truc? Un vrai truc. Allez, un vrai truc. Un beau stylo. Mais à quoi ça sert? Ça sert mais à écrire. Mais c'est... Non mais ça c'est pour s'amuser hein. Mais pas du tout. Pour moi ça écrit vraiment les amis. Mais regardez à l'intérieur il y a plein de perles. Attention. Il y a plein de perles, oui. Ouvrez bien vos oreilles. Oh non 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 non, pas de ça en classe hein. Je sens que ça va être une année terrible. Pas de ça en classe. Ah, Lirose, arrête, arrête, arrête. Mais c'est quoi ça? Bah, c'est une flûte. Ah, mais c'est un stylo aussi. On peut écrire avec la flûte. Ah, mais... Attends, attends, rebouche ce stylo. Attends, mais c'est quoi ça? Mais c'est encore un autre stylo. C'est encore un stylo. Oui, un stylo bleu, stylo vert, stylo noir, stylo rouge. Y a tout, y a tout. C'est un stylo voiture, ça. C'est parfait, c'est parfait. Attendez, non, mais c'est pas possible. Où est-ce que t'as trouvé toutes ces fournitures? Non, mais, allez, vas-y, allez, on enchaîne, là. Plein de quatre couleurs. C'est quoi, ça? C'est des... Ah, des quatre couleurs, regardez. Un quatre couleurs cola... Un 4 glace, couleurs, un 4 couleurs frites, burger. Oh, c'est quoi ça? Un 4 couleurs burger. Oh là là, un 4 couleurs ice cream, glace. Oui, qu'est-ce qu'il y a? En tout cas, je pense qu'elle a prévu qu'elle allait beaucoup écrire alors. Ah bah oui, j'espère que. Mais je pense qu'elle a surtout prévu de s'amuser malheureusement. Oh là, c'est quoi ça? Me dis pas que c'est un stylo poisson. Ah, ah si, regarde, on peut enlever la queue du poisson. Oh non. Et ça écrit. C'est de pire en pire. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est du parfum? C'est quoi ça? Lily Rose? Mais oui, c'est du parfum! Mais non, c'est... Attends, mais c'est encore un stylo? Mais oui! C'est un stylo aspergeur! C'est un stylo où on peut mettre un liquide à l'intérieur pour... asperge! Pour asperger les gens. Ah! Allez, hop! Comme ça, vous sentirez bon pour la... Vous sentirez bon pour la rentrée. Voilà. Allez. Et t'as vu, moi, je trouve que c'est super, franchement. Bon, Esteban, je crois que ça super sent les gens de ingénieux. Col, mais pas du tout! Bon, allez, bien. Allez. Lily Rose, passe au suivant. Okay. Là, j'espère que t'as vraiment pris le reste pour la liste. Ouais. Alors, allez, ça... on se dépêche. Voilà. Un taille-crayon. C'est quoi ça? Ah ça on l'avait déjà vu, un taille-crayon en forme de nez. Ah bah bravo. Ah oui c'est vrai, j'en ai encore un autre. Ah mais t'en as acheté combien des comme ça? Bah c'était 10 pour le prix de 20 alors. 10 pour le prix de 20, ouais bah du coup t'en as acheté 10, super. Ça va être carnaval ici. Allez ah oui là c'est Zumba Café carnaval hein. Ah non, oui. Non mais le stylo coup de poing, bah alors ça certainement pas. Hop. Jamais de la vie. Confisqué. Ça pour ceux qui savent pas ce que c'est les amis, on l'avait déjà présenté dans une vidéo et t'en as racheté un. Regardez ça. Encore un stylo flûte. C'était un pour le prix de deux. Non mais t'as fait toutes les promos. Un cahier. Un cahier chocolat, mmh. Ça pareil, on l'avait déjà montré dans une vidéo, un cahier en forme de chocolat. Ah bah bravo. Ah bah tu vas pas écrire grand chose. C'est quoi ça? C'est quoi ça, Lyron? Mais c'est un stylo.
Un stylo encore? Bah oui. Non mais hey, les cahiers, tu vas nous les présenter quand les cahiers? Parce que là t'as 40 000 stylos, regardez la table elle est déjà remplie de stylos. Il y a que des stylos. Ouais ouais c'est stylé mais bon. Regardez ça les amis, pour ceux qui savent pas, c'est un stylo comme ça. C'est quoi? Oh, attention. Ah oh non mais voilà. Mais t'es malade. Allez allez le cahier. Les amis, il faut aller. Le cahier. C'est pas un cahier, ça c'est encore un 4 couleurs poilu. Le cahier. C'est quoi ça? Ah non mais non, t'as racheté ça Lily Rose, t'abuses. Ah c'est pour. On dirait, ça, c'est pour réparer. On dirait une boîte à pizza mais c'est des gommes. Allez, bah attends, je vais regarder ce que t'as pris. Oh, elle s'est vraiment foutue de nous. Hein. Ah attends, y a quoi dans cette poche? Y a forcément un truc bien. C'est quoi ça? Un pop-it. C'est un clavier. Un clavier d'ordinateur en pop-it. Et là, un cahier. Ah bah enfin. Non mais, un cahier pop-it. Bah oui, tu m'as pris pour qui ça? Non mais c'est une blague. Mais c'est vraiment un cahier pop-it. Si jamais on s'ennuie, c'est-à-dire tous les jours. C'est quoi ça? Un jeu. Un jeu pop-it avec des dés comme ça pour jouer en classe. Enfin, monsieur, ça vous pouvez le confisquer immédiatement. Je sais pas. Tu vas pas t'ennuyer, Lily Rose. Une trousse pop-it encore. Et à l'intérieur, il y a. Oh, c'est quoi ça? C'est un hand spinner. C'est quoi ça? Mais oui. Ah, il y a une lumière au bout. Regarde, regarde. C'est quoi ça? C'est un stylo, ça aussi, tu vas me dire? Mais oui. C'est vrai, c'est un stylo? Bah oui. Oh là là. Ah oui, regardez. Quand regarde. Quand on tourne. Ça, ton avis, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Bah, je suppose que c'est un stylo aussi. Ouais. Un stylo en forme de capsule. Ouais. Oh là 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 là. Non mais regardez-moi toutes ces babioles les amis, je pense que il y a même pas assez d'une vidéo pour toutes vous les présenter. Je pense qu'on fera une vidéo spéciale hall de rentrée. Oui. Attends mais il y a quoi? Attends mais il y a quoi d'autre? Bah c'est bon. Ah mais si, mais dans le sac il y a encore plein de trucs. Mais oui, mais après je vais pas toutes les présenter. Attends mais regardez, c'est quoi ça? T'as vu? Vas-y, vide le sac là qu'on montre rapidement un petit peu tout ce que t'as. Bon bah voilà, un stylo encore chocolat. Il y a un stylo, c'est quoi ça? C'est un pot, on dirait. Ah oui, ça va être le stylo cactus. Bah ça aussi, tu vas le prendre à l'école. Un stylo licorne comme ça qui dit, voilà. Oh, regarde! Qu'est-ce que regarde c'est ça, on peut décider de où il va, genre. Ah oui, c'est un stylo, on peut lui donner la forme qu'on veut. Super, ouais. Super pour être concentré en classe. Ouais. Un stylo géant XXL. Enfin bref, bon les amis, là je pense qu'on va s'arrêter là parce que... Bon, elle a oublié voilà, ça. Vous avez compris, elle a dépensé 40 euros pour plein de fournitures qui servent à rien. Tiens, Lily Rose. Et je suppose qu'il y en a encore plein dans le sac qu'elle nous a pas montré, donc vous inquiétez pas pour la rentrée. À mon avis, elle va essayer de les ramener à l'école. On va certainement faire une vidéo où dès le premier jour, elle se fait tout confisquer. Mais bon, c'est pas grave. Si vous avez aimé cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller de faire, les amis? De cliquer sur une vidéo qui apparaît et de lâcher un like. Mettez un like et surtout allez voir une vidéo qui apparaît sur notre sur votre écran, pardon, et allez voir une autre vidéo sur notre chaîne. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Tiens, voilà. À la prochaine. Ciao, bye bye. Ciao, ciao.